Nous nous trouvons ici sur le site des forges de la Hunaudière à Sion-les-Mines, l'un des nombreux lieux touristiques et patrimoniaux du territoire. La communauté de communes Châteaubriand-d'Herval accompagne et soutient régulièrement les associations et les communes dans le développement de leurs projets touristiques. C'est le cas pour l'association Les Amis des Forges de la Hunaudière, à qui nous avons proposé une solution de revalorisation de ce site remarquable via l'utilisation ludique et pédagogique d'une application numérique. Les très nombreux visiteurs, habitants ou touristes, qui viennent chaque année découvrir et profiter de ce paysage chargé d'histoire, peuvent réaliser une visite virtuelle des forges de la Hunaudière en immersion en 1830. Donc, depuis 1992, notre association travaille sur la valorisation du patrimoine industriel avec des acteurs locaux. Un ouvrage racontant l'histoire des forges du territoire, moi dans la rivière et la Hunaudière, a même été édité en 2008. Des visites commentées du site sont organisées tous les mercredis après-midi par notre association, avec notamment des démonstrations de moulage au sable et de coulée de bronze. Au fur et à mesure des années, nous nous sommes aperçus que la demande de nos visiteurs était en perpétuelle évolution et que notre association devait moderniser son discours et adapter nos outils de médiation. Cette modernisation a été réalisée grâce à l'implication des acteurs locaux et en plusieurs étapes. Tout d'abord, sur le site de la Hunaudière à Sion-les-Mines, les bornes patrimoniales existantes ont été relookées grâce à l'expertise de SDI de Châteaubriand. En parallèle, un appel d'offres a été lancé, deux entreprises du territoire ont été retenues, Orinox pour la partie de coordination de projet et Compar Images pour la partie graphisme. Au total, une équipe de 10 experts ont contribué à créer cet outil numérique nouvelle génération pour vous permettre de découvrir les forges d'une manière atypique. La commande de la communauté de communes était de réaliser une reconstitution 3D du site des forges de la Hunaudière. Donc l'ensemble du site est constitué de vues extérieures que nous avons entièrement reconstituées et ensuite de vues intérieures de 3 ateliers qui sont la finerie, la fenderie et les hauts fourneaux. La reconstitution historique est très importante dans ce type de travail, notamment la recherche documentaire pour coller exactement à ce que devait être la réalité de l'époque, c'est-à-dire en 1830. Donc on a travaillé à la fois avec l'association des forges de la Hunaudière pour reconstituer une documentation assez fournie, et de notre côté nous avons comparé avec des sites existants sur d'autres types de forges de la même époque. D'un point de vue pratique, vous téléchargez l'application sur votre téléphone ou sur votre tablette, Android ou iPhone, qui va vous permettre après de scanner le QR code sur la borne patrimoniale, et après vous serez en immersion totale en 1830. Alors bon voyage !